Salut les Capricornes et bienvenue sur ma chaîne. Je suis très contente de vous retrouver, j'espère que vous allez bien. Bienvenue à tous les nouveaux abonnés, merci beaucoup de vous être abonnés sur ma chaîne. Alors, on est parti sur votre guidance générale les Capricornes. Pour fin mai, début juin, on prend une première énergie générale. Capricorne, fin mai, début juin. Une énergie principale, générale, qui représente le point central de cette fin mai début juin pour vous les Capricornes qui regardez la chaîne et les ascendants en Capricorne. Hop, on y va, c'est parti, j'en ai deux. Je vais baisser la caméra que vous voyez le tirage en train de se faire. On prend vos énergies matérielles, sur le plan matériel, physique, financier. Qu'est-ce qui se passe sur le plan physique, financier, matériel? Qu'est-ce qui se passe pour les Capricornes? Fin mai, début juin. Pour la sphère du mental, pour la sphère émotionnelle, Capricorne, Capricorne, les émotions, qu'est-ce qu'elles ont à nous dire les émotions? Qu'est-ce qui se passe sur le plan émotionnel et sur le plan spirituel? Capricorne, fin mai, début juin. Allez, on va aller regarder ce qu'on a. Donc, en énergie principale, j'ai l'intensité et le guide. L'intensité, c'est le cavalier de feu. Et le guide, c'est le 3 arc-en-ciel. Donc, on va y revenir tout à l'heure. Alors, j'ai le stress sur le plan matériel. 7 de feu. J'ai la morale sur le plan mental. La dame des nuages. J'ai le 10 d'eau sur le plan émotionnel. L'harmonie. Et j'ai la culpabilité sur le plan spirituel, la 8 des nuages. Bon, on va déjà aller voir hein, un peu, on va faire un premier tour. Alors, le guide, c'est une très belle carte et c'est votre énergie centrale. La principale, celle à laquelle, sur laquelle vous pouvez vous appuyer, celle qui va vous accompagner pendant toute la fin du mois de mai. Le 3 arc-en-ciel, donc le guide nous parle d'un guide. De notre guidance, de notre ange gardien, de la personne dans la vie qui nous conseille, d'un ami. Ça nous parle de la notion de guide. Ça nous dit aussi que nous sommes guidés, que nous sommes guidés sur notre chemin, sur notre destin, dans notre réalisation, dans notre accomplissement, que nous ne sommes pas tout seuls. Et que, voilà, il y a des êtres qui veillent sur nous et qui nous accompagnent.
que ce soit sur le plan vraiment physique, matériel, un psy, un thérapeute, un acupuncteur, n'importe quoi, ou alors un parent, un père, une mère, un ami, de bons conseils, enfin, il y a une notion comme ça là de guidance, vous êtes guidé, voilà. Et avec l'intensité, vous êtes intensément guidé. Voilà. Ou alors peut-être que voilà, cette notion de guidance est très développée. Ou alors, en tout cas, il y a cette notion d'énergie très forte. Vous allez avoir une énergie très très forte au niveau de la fin du mois de mai, début du mois de juin, les Capricornes. Une énergie très intense qui peut peut-être même surprendre votre entourage ou l'influencer. Et c'est quand même rattaché à la notion du guide. Donc, ou alors vous avez une guidance très intense. Ou alors, moi je pense que ça parle quand même de ça, hein, de tout ce côté-là. Vous êtes, c'est pas que vous êtes encore plus accompagné d'ordinaire, mais disons que ça se ressent un peu plus. Bon, on a quand même le stress dans les énergies matérielles, hein, le 7 de feu. C'est une énergie d'action qui nous parle bien entendu de stress, qui nous parle d'inquiétude, d'angoisse. Alors, est-ce que c'est sur le plan financier? Est-ce qu'on a des angoisses par rapport aux finances, à l'argent qui rentre ou qui rentre pas assez, ou qui sort trop? Est-ce qu'on a des angoisses par rapport à tout ce qui est nos biens matériels, à la maison où l'on vit, à notre confort? Est-ce qu'on a des angoisses d'insécurité, etc. Voilà. Bon, il y a une notion de stress quand même, hein, dans tout ce qui peut nous apporter, dans tout ce qui peut nous rassurer d'un point de vue matériel, confort, etc. À vous de voir comment ça vous parle. On a la morale ici. Notre jolie dame des nuages. Alors la morale, hein, c'est fais pas ci, fais pas ça, pas comme ci, pas comme ça, etc. Et en plus, c'est dans le mental. Donc on peut avoir cette notion-là d'avoir un mental extrêmement moralisateur à la fin de ce mois-ci. Ou en tout cas, d'une quelque manière que ce soit, on vous dit, que ce soit vous de l'extérieur, comment vous pensez, comment vous réfléchissez, et on vous dit que c'est bien ou que c'est pas bien. Et d'ailleurs, c'est ça qui peut aussi créer du stress après sur bah, comment je dois faire les choses, quoi. Est-ce que je dois faire comme ci, comme ça, parce que là, la morale, elle est toujours extrêmement guindée. Elle vient de l'éducation. C'est aussi quelque chose qui nous est transmis de par nos parents, un peu aussi d'une certaine manière la classe sociale dans laquelle on a grandi, et on va dire l'éthique de nos parents. En quoi croyaient vos parents? Quelles sont les valeurs qu'ils défendent? Et quelles sont celles qui vous ont transmises ou pas? La morale, elle n'est pas forcément à ne pas respecter, évidemment, dans le mental, mais c'est plutôt, il faut quand même s'en libérer. Parce qu'elle est particulièrement étriquée. Et donc, il s'agit de ne pas rester coincé dans cette morale étriquée qui peut faire beaucoup trop de reproches. On a l'harmonie ici, hein, dans les énergies émotionnelles. C'est une très très belle carte. C'est un numéro 10 en plus. L'harmonie nous parle bien entendu. D'harmonie entre ces différentes émotions, de réussir à équilibrer bah justement le bien, le mal, mais plutôt dans le sens ce qui nous fait bien, ce qui nous fait du bien, ce qui nous fait du mal. Hop, bon, un tout petit peu d'eau, excusez-moi. Voilà. De réussir à équilibrer hein, ces choses hein, par rapport à ce qu'on ressent, etc., pour trouver une paix intérieure, une harmonie intérieure, un équilibre intérieur. C'est pas se laisser bouffer par les énergies trop négatives et rester centré quoi. Donc là, il s'agit vraiment d'harmonie, hein, d'harmoniser tout ce système émotionnel avec ce mental qui est extrêmement là pour la fin du mois de mai moralisateur, guindé, à travers lequel on ne peut pas exprimer sa liberté, hein, parce que quelque part, voilà. Voilà. Et en plus, bon, avec ce 8 ici, hein, quand même, hein, des nuages, hein, dans la spiritualité, c'est pas évident. La culpabilité, c'est on se reproche d'avoir fait quelque chose. Et même on peut avoir peur que ça empiète sur notre destinée.
que ça influence notre chemin de vie. On s'arrache les cheveux d'avoir dit, d'avoir fait quelque chose dont on subit les conséquences. Donc c'est sûr que c'est pas évident. Et donc du coup, ça peut rejoindre la morale, c'est toutes les deux des cartes des nuages, hein, ça peut jouer quoi. Il y a comme ça, quelque chose hein, là pour cette fin du mois de mai, début juin, qui semble vous dire, alors que ce soit vous-même qui vous dites, ou alors des influences extérieures, t'as mal fait, t'aurais pas dû faire comme ça, etc. Et vraiment vous vous en voulez, vous culpabilisez, ça vous crée du stress pour ensuite travailler, ça vous crée du stress ensuite pour vous réaliser dans votre vie. Donc là, on vous dit d'harmoniser vraiment vos émotions, puisque vos émotions sont quand même très belles, là, quand même, il y a des belles émotions, et puis il y a une guidance, vous êtes guidé, hein, je vous rappelle. Donc voilà, mais c'est pas évident, parce que je sens vraiment un, comme ça, un quelque chose, un environnement, quelque chose qui vous fait vraiment vous en vouloir. On va remettre une sur la culpabilité, qui vous fait vraiment vous en vouloir, là, vous êtes pas, ça vous stresse. Et c'est évidemment c'est pas facile hein. En plus avec l'intensité, toutes ces énergies sont décuplées, donc il peut y avoir beaucoup de culpabilité, beaucoup de stress, etc. Donc c'est pas évident. Alors on en prend encore une sur la culpabilité. De quoi vous culpabilisez comme ça? Qu'est-ce qui vous fait culpabiliser hein, comme ça là? Qu'est-ce qui a fait ressortir cette carte hein, de la culpabilité? Bon, j'ai la renaissance, la numéro 10, des nuages. C'est vraiment que des énergies, des nuages, là. Alors, est-ce qu'il y a une renaissance par rapport à une faute, quelque chose qu'on a l'impression d'avoir commis ou alors peut-être, voilà, on parle d'une transformation. Hein, avec ce 8 et ce 10, vous allez être libéré peut-être aussi d'un poids que vous portiez depuis des années, qui vous faisait avoir honte, vous sentir honteux, voilà. Et là, vraiment, il y a une renaissance, une libération en fait de ça, de cette charge-là. Donc là, c'est quand même mieux, c'est-à-dire qu'on sort de ce côté des énergies dark, grise, etc. pour aller vers beaucoup plus de lumière et puis quelque chose qui s'affirme plus. Hein, vous passez du chameau au lion, etc. Puis le guide, il est encore là, vous voyez. Cet être au-dessus, ce petit génie qui joue de la flûte, c'est encore le guide en fait qu'on retrouve ici. Donc vous êtes guidé là hein, pour dépasser quelque chose qui vient de, je pense, de l'enfance, de loin, qui vous a réprimé. Qui vous a réprimé dans votre mental en fait et qui est lié à une sensation de faute que vous auriez commise, réelle ou imaginée, consciente ou inconsciente, qui ne vous permettait pas, je pense, de vraiment exprimer qui vous êtes. Et donc du coup, il y a une renaissance par rapport à cet état-là. Et vous allez vers beaucoup plus d'harmonie, vous allez aller vers vraiment beaucoup plus d'harmonie. Ok. On prend un message. Du tarot de la transformation pour vous, les Capricornes. Mm-hmm. Et ouais. J'ai le renouveau, la numéro 33. C'est vraiment. Il est question de ça, hein, la renaissance, le renouveau. Là, vraiment. Vous êtes dans un truc comme ça. Mais c'était pesant, c'était vraiment, c'était pesant hein, ce qu'il y avait, je pense, c'était un peu dark, un peu pas marrant. Alors, 33, le renouveau, l'héritage du Bouddha. La paix ne surgit qu'ainsi, quand il n'y a ni passé, ni futur. Le futur implique espoir, exploit, but, ambition, désir, impossible d'être ici et maintenant, vous courez toujours après quelque chose, quelque part ailleurs. Pour connaître la paix, on doit être totalement présent au présent. C'est de là que surgit le renouveau de la vie, parce que la vie ne connaît qu'un seul temps, le présent. Le passé, c'est la mort, le futur n'est que la projection d'un passé mort.
Comment pensez-vous au futur? Vous y pensez en fonction du passé, c'est ce que vous connaissez et vous le projetez. Bien sûr, en l'améliorant, en plus beau, en mieux enjolivé, toutes les souffrances sont mises de côté et seules sont choisies les plaisirs, mais c'est du passé. Le passé n'existe pas, le futur non plus, seul le présent existe. Être dans le présent, c'est être vivant au summum, c'est cela le renouveau. Donc toujours cette notion d'instant présent, mais on parle aussi beaucoup du passé, etc., et des projections qui pour moi est reliée à la morale ici. Donc il y avait quelque chose comme ça, il y avait quelque chose comme ça qui pour moi va sauter. Voilà, j'ai l'impression que c'est fini. Et vous allez partir vers autre chose. Donc bon, c'est plutôt pas mal du tout. Allez, on prend un message des murmures de guérison. Alors, on a la vibration, la numéro 14. Très belle carte qui revient souvent, elle aussi. C'est une carte qui nous parle de notre niveau vibratoire, de rehausser notre vibration, la vibration de notre corps. Par manger sainement, faire de l'exercice, la pensée positive, un environnement sain, enfin bref. Et que ça vous aidera, ça nous aidera à penser différemment et à rester plus positif. Donc, s'il y en a certains hein, qui peuvent se sentir un peu comme ça, hein, épuisés, fatigués, la carte vous dit hein, qu'il est normal que votre énergie varie au cours de la journée. Quand vous êtes dans un processus de guérison, vous tombez facilement dans une période de faiblesse, votre énergie diminue naturellement pour aider votre corps et votre esprit à guérir. Cependant, c'est un moment difficile à vivre qui peut laisser un sentiment de dépression. Cette carte vous incite à élever votre vibration. Un regain d'énergie, même minime, accompagnera au mieux votre processus de guérison. Le fait d'élever votre vibration peut vous offrir un lien direct avec vos guides et votre être supérieur. Le changement de vibration vous aidera à recevoir des conseils pour votre guérison. Construisez et utilisez la relation avec votre être supérieur. Vous verrez l'information qu'il recevra reconnue et appliquée par votre esprit conscient. En continuant d'élever votre vibration, vous découvrirez que vous avez une meilleure compréhension de tout ce qui se passe. Une fée pourvue d'une baguette magique voyage sur le dos d'une chauve-souris, encourageant la confiance dans vos dons psychiques et la foi dans vos propres capacités. Les chauves-souris sont très sensibles aux vibrations. En élevant la vôtre, vous construirez la confiance en vos instincts. La fée et la chauve-souris sont accompagnés de papillons de nuit, eux aussi des animaux nocturnes. Un papillon de nuit se montre généralement dans votre vie quand vous vous cachez. Cela peut suggérer que vous n'ayez pas affronté quelque chose. Vous vous êtes renfermé et il est temps de revenir à la vie. Trouvez une activité qui vous motive, remplissez votre cœur et votre esprit d'une grande lumière et centrez votre énergie, se déplacer vers un meilleur endroit. Voilà, il y a vraiment des choses qui reviennent pour moi, des notions comme ça de renouveau et puis aussi de guidance, de vraiment rester lié, relié à votre guide, cet être supérieur, hein, c'est l'instinct, l'intuition, etc. Et que d'élever votre vibration vous aidera justement à être encore plus en lien avec, avec ce guide et à recevoir des conseils toujours pour aller mieux, etc. Comme c'est les murmures de guérison, ça parle beaucoup hein, de guérison et tout ça, donc c'est normal. Donc voilà, bah écoutez, c'est très très bien, je pense qu'on... Hop, on va arrêter là, c'est déjà pas mal du tout. Voilà. On prend juste un dernier message lumière. Alors, il faut que je fasse un peu différemment. Je vais le faire un peu comme ça. Alors, Capricorne. J'ai la très belle carte de « J'ouvre ma conscience ».
J'ouvre ma conscience à la conscience supérieure, ainsi je réalise toute ma grandeur et toute mon importance au sein de l'univers. Le sentiment d'infériorité ne m'appartient plus. Je retrouve ma confiance et toute ma puissance. Je m'accepte et même en ma totalité. Ma mission est importante et je la vis pleinement. Voilà. On va finir là-dessus. Il y a des très, très belles phrases, des mots qui font du bien à entendre. Hein. Le sentiment d'infériorité ne m'appartient plus. Je retrouve ma confiance et toute ma puissance. Ma mission est importante et je la vis pleinement. Voilà. C'est une très belle carte de fin de cette guidance. Vraiment super. On en reste là pour vous les Capricornes. Merci beaucoup de m'avoir suivi. N'hésitez pas à cliquer sur le petit pouce pour m'encourager. Et puis, je vais faire tout de suite votre guidance sentimentale. Vous pouvez aussi aller jeter un œil aux énergies de votre ascendant si vous le connaissez. On se retrouvera vers le 7 juin où voilà, je continuerai les guidances pour le mois de juin. D'ici là, portez-vous bien, prenez soin de vous. Je vous fais plein de bisous et je vous dis à bientôt. Bye bye!